Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui donc vidéo revue de troupes. Voilà donc comme d'hab, hein, le... je vais vous présenter les petits travaux de peinture que j'ai effectués ces dernières semaines. Et comment... On, voilà, on va commencer tout de suite par de l'infanterie et des Prussiens de 1806, des grenadiers. Donc ça ce sont des grenadiers du régiment numéro 43 Straswitz donc figurine hâte les seuls à proposer euh, dans la gamme un 72e plastique euh, ou même euh, un 72 tout compris plastique ou métal les seuls à faire à avoir euh, sorti une euh, une série sur les Prussiens de 1806, voilà, donc avec couleur orange pour distinctif de ce régiment. Ensuite, on reste dans du grenadier Prussien avec. Même chose. Mais ceux-là sont des régiments numéro 15. La Leibgarde, hein, Donc la pardon, j'ai bougé la caméra, la garde prussienne. Donc là, la différence notable avec les grenadiers des autres régiments de ligne, c'est euh, au niveau des plaques. Euh, de leur, de leur coiffe là c'est argenté au lieu d'être doré voilà décidément je bouge la caméra voilà donc pour ce ces prussiens de 1806 en Gonadier parce que j'ai aussi deux autres petites plaquettes de chasseurs, de Jäger. Donc, armée de carabines. Alors, mon verre est un peu pétant, hein, mais euh, c'est volontaire. Hein. Je l'ai pris ce verre-là pour que ça, ça claque euh, sur la table de jeu. Voilà donc pour les Prussiens 1806 au niveau de l'infanterie. Deux petites plaquettes d'Italiens, de, des pans de drapeau, donc figurine hâte. Donc euh, en fait ça ça va venir compléter mon armée italienne. Je vous montrerai ça euh, bientôt. Je vais présenter mon armée italienne. Bon les figurines sont, sont ce qu'elles sont, c'est vrai pas terrible au niveau des visages tout ça, mais bon ça ça au moins l'intérêt d'exister. Voilà donc pour ces Italiens qui vont venir compléter l'armée du Royaume d'Italie. Ensuite, alors voilà, on va passer donc... Euh, attendez, je vais faire déjà... On va faire... On va, je vais vous présenter cela. Donc ça, ce sont des Autrichiens. Alors, en l'occurrence, ce sont des volontaires des étudiants de Prague qui étaient donc, qui faisaient partie de la de la Légion de l'Archiduc Charles. Alors, en fait, ce sont des figurines euh, SC. Ce sont des vieilles figurines que bon, vous trouverez seulement maintenant en boîte d'occasion, parce qu'en neuf, ça n'existe plus. C'est une boîte qui mélangeait des, des autrichiens et des chasseurs prussiens de 1806, les mêmes que je vous ai présentés avant. On voit d'ailleurs, ils, ils ont le même uniforme. Puisqu'en fait, je les ai utilisés pour, euh, pour en faire des, des volontaires des étudiants hein, de Prague, qui avaient un uniforme à peu près semblable. Hein, je dis bien à peu près, parce que Ce n'est pas exactement le même. Je vous mettrai une photo, euh, une image en incrustation, pour montrer le vrai uniforme et celui-là que. Enfin, pour comparer avec ces euh, figurines. Alors, les figurines étaient, ici, étaient très bien gravées. Hein. Voilà. Donc ça ce sont les volontaires les étudiants volontaires des étudiants de Prague. Légion Archiduc Charles. Alors Maintenant on va passer aux britanniques. Une grosse série. On commence par le 95e Rifle. Bon, une idée très très bien connue. Donc ça, ce sont des figurines Revell. Belle figurine. Peut-être un peu moins belle que, que, les, que la, la boîte Italeri, mais bon, ça fait le taf. Bon, C'est des figurines que j'avais de, de côté, que j'avais peintes, et en fait, j'ai repeint par-dessus. J'ai remis une couche de, de blanc. C'était peint à la peinture molle, sans sous-couche. Donc la, la couche était fine. J'ai euh, repassé une sous-couche par-dessus au pinceau. De la citadelle, pour ne pas nommer. Et ensuite, j'ai fait ma peinture à la, la contraste par-dessus. Voilà pour ce 95e rifle, Donc j'ai dit euh, légère équipée de, équipé de carabines. Ensuite, on passe de la ligne avec le 33e régiment. Donc, figure une hat. Donc là, des fusiliers, hein, avec le... le... plumet euh, rouge et blanc. Ça, ce sont les fusiliers. Donc, le drapeau. Alors, j'ai pris le drapeau du régiment. Hein, j'ai pas, pas pris l'Union Jack, qui est le drapeau royal et... Ils avaient deux drapeaux, donc euh, drapeau du régiment, plus une euh, jack drapeau royal. Donc j'ai préféré prendre celui-là parce que bon, voilà, je le trouve plus beau. Alors mon ouais, drapeau est un peu petit, on me l'a fait remarquer, hein, les drapeaux euh, étaient plus grands. Mais bon. Tant pis. Voilà donc pour ce 33e régiment. On continue avec les Anglais, avec le 2e Foot Guard. Donc le régiment de la garde royale. Britannique. Donc, plumet blanc, des grenadiers. Bon, C'est juste pour en fait euh, plus facilement repérer sur la table euh, un régiment d'élite. Parce que bon, il faut essayer de, quand on fait du wargame, il faut essayer de, de rendre en adéquation sa peinture, euh, sa règle. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas tout, toujours euh, des fois dans l'historique euh, pur. Quoi. Et donc avec le drapeau, toujours pareil drapeau euh, du régiment. Donc figurinate, avec un mélange de donc euh, celles-là proviennent de l'infanterie, euh, de la boîte sur l'infanterie. Euh, Péninsular War et cela le, le drapeau là lui vient de de la boîte à Commandement britannique d'infanterie. Voilà donc ce deuxième foot guard hein, qui qui aura, sur la table de jeu représentera les unités d'élite. Et on finit avec l'infanterie britannique avec euh, le 92e régiment d'Highlander des Écossais. Cordon euh, Régiment. Donc figurine Italerie. Donc celui-là, bah, vous, vous connaissez sûrement sur, si vous suivez la chaîne, puisque j'ai fait un. J'ai fait un tuto dessus. Alors on m'a fait remarquer que j'avais pas fait... Euh, le, le tartan n'était pas aux couleurs du régiment. Donc, pour la prochaine fois, ben j'essaierai, pour le prochain régiment de Highlander que je ferai, j'essaierai de respecter les couleurs du tartan. Voilà. Je fais une promesse. Ouais, je vais essayer, je dis bien. Figurine et très belle figurine, elle plus plus belle figurine d'Ilander. Voilà, pareil pour le drapeau. Voilà. Fini. Pour cette infanterie britannique alors ensuite on va enchaîner sur des hussards prussiens de 1806 évidemment figurines à Zvezda ce sont des hussards d'ailleurs de, de 7 ans mais comme les uniformes sont les mêmes en 1806, j'ai pris cette boîte. Donc ce sont des régiments, des hussards du régiment numéro 8, Blücher. Appareil ah, aussi, très belle figurine de chez Zvezda, évidemment, on a l'habitude d'ex vezda Alors je les ai peints sans leur euh, sans leur euh, pelisse parce que bon je trouve que la pelisse euh, est pas terrible. Alors c'est une pelisse qu'en fait qu'il faut coller. Hein, et bon je la trouve pas terrible. Donc j'ai décidé de ne pas la mettre. Donc euh, voilà, donc ces unités en fait vont terminer mon armée prussienne de 1806 que je présenterai euh, bientôt comme mon armée italienne. Et voilà deux plaquettes qui finissent aussi mon armée italienne avec des gardes d'honneur italiens. Donc euh, j'ai fait deux plaquettes aux couleurs différentes. Puisqu'en fait, c'était des gardes d'honneur, c'était des petites. Il y avait quatre gardes d'honneur. Alors je vais essayer de mémoire à vous dire lesquelles, mais je crois que je vais en oublier une. Donc il y a Bologne, Venise, Milan et peut-être bien Turin. Et donc ils avaient des couleurs différentes selon la ville. Et en fait, on va dire que c'était des petites unités. Donc, pour représenter un régiment, j'ai opté pour représenter une plaquette de chaque... Euh, de chaque... De, pas de chaque de, de différentes villes. Donc là, j'ai opté pour Bologne, donc, en jaune. et pour euh, donc l'autre c'est venise hein, en, en orange alors pour ceux qui se demandent ce que c'est comme qu figurine mais en fait c'est une euh, ce sont des, modi des figurines modifiées hein. <coughs> euh, si voilà monsieur le portable veut bien faire le point donc le che les chevaux et le corps, sont de la boîte de Dragon français Italeri et euh, la tête c'est une tête de de carabinier. J'ai tout, je vais vous mettre ça en photo de, de chez Italeri. Voilà. Donc c'est de la conversion. Donc ces unités, euh, pour rappel, quand même, ils ont fait, euh, ils ont fait la campagne de Russie. Hein, C'est parti euh, du corps d'armée euh, royal italien. Voilà donc. C'était la dernière unité que je vous présente. Je vais changer de caméra pour vous faire une petite vue générale. Voilà donc fin de cette vidéo. On se retrouve bientôt pour euh, deux nouvelles vidéos évidemment. Euh, donc en prévision, présentation de mon armée italienne et présentation de mon armée prussienne de 1806. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. Bon jeu, bonne peinture à tous. Et à bientôt. Allez, salut oh.